but pour l'instant avec le ballon. Il a surtout défendu. Il a trouvé Sanaya. Sanaya. Sanaya à la Gerber, le bon ballon, là peut-être pour Dorian Kadi à la traînée, surface de réparation, le duel, et le but, et le but, et le but de Dorian Kadi qui ouvre le score pour le Rodez Aveyron Football après 13 minutes de jeu. Dorian Kadi déjà auteur d'un but et d'une passe décisive la semaine dernière à Dunkerque qui vient ouvrir le score sur ce superbe ballon de Mathieu Gerber, Julien. Chougrani, Chougrani côté gauche qui a trouvé Raled Ayari dans l'axe du terrain, le bon ballon là de Raled Ayari pour Aurélien Terton, l'entrée à la surface, le ballon et la superbe parade de Jérémy Heim, c'était le ballon du 2-0. Allez, David Doulin, David Doulin là à 20 mètres, il a trouvé Aurélien Tertoro sur le côté droit, le duel Tertoro Caetano, il repasse avec David Doulin, David Doulin peut-être pour la frappe, ça passera au-dessus du jeu, donc le rythme n'est pas près de... Allez, Gopé Fenepech là qui a peut-être a trouvé... Hamza Fidi à l'entrée de la surface de réparation, il cherche sur le côté droit avec Alexandre Vardel, le centre de Vardel, peut-être le premier poteau. Et c'était la superbe occasion pour Stephen Vincent. Voilà, charnière Johan Roche Sanaya qui pour l'instant est impérial. Le centre de Vincent, peut-être ça passe devant le but. Et ce sera la mi-temps sifflée par l'excellent Lactar El Bedoui. Peut-être celui-là va être réussi, oui tout à fait, c'est un petit peu long, peut-être au second poteau aussi. C'était pour Vincent Créen. Corner pour Le Mans, peut-être au premier poteau, la tête, la frappe de Copé fait des pêches. Ça passe au ras du poteau, c'était une occasion en or pour le numéro 19 Manceau. On lâche pas d'une semelle l'équipe Mancel. Affidi pour Vincent. Vincent, le centre de Vincent, peut-être la parade, d'Arthur Desmas. Ça sera... La fin du match avec un banc et un stade Polignon, les 4500 spectateurs de Polignon qui explosent.